Bon courage pour ce sujet. Bah pourquoi ? Ah mais toi, t'es en donjon, t'es en quête, t'es en quoi là ? Quête principale ? Ouais. Ah bon bah attends, comment ça va ? J'ai un Alice au cœur dans ce cas-là, on revient chez moi. On va attendre un peu que Nat soit dispo aussi. Et merci Abdel pour le troisième mois d'abonnement avec le sub de niveau 1. Merci beaucoup. Bon bah, on continue de taper. Nat, elle veut pas de cocktail, donc voilà. Bouge de là ! Meurs, meurs Nat, meurs ! Qu'est-ce que c'est ? Tiens d'ailleurs, en parlant de ça... Ah, dommage ! Votre esprit s'emballe. Oui, je suis Lilith, la mère de Sanctuaire. Et la fille Lucas, les cocktails, ça t'intéresse pas, je suppose ? J'ai... ce que vous cherchez. Vous avez soif de savoir. Vous avez traîné votre enfant dans tout sanctuaire dans cette quête. Non, je lui ai appris à survivre. C'est ce que vous vous forcez à croire. Arrêtez cette comédie. Vous avez des questions. Et j'ai des réponses. Je connais la trame du cosmos. Tout ce que j'ai lu m'a mise en garde contre vous. Vous avez lu tant de choses, mais en savez si. Accepterez-vous mon offre ? Je ne sais pas. Me laisserez-vous une chance ? Mais comment ça, c'est la même touche pour taper et avancer ? Votre mère est vivante. Elle est venue. Peut-être, je vous doute. Je crois que tu peux le changer, ça. J'ai parfois des visions du passé. Quoi ? Comment ? Des pétales de Lilith. Effectivement, ok. Mais donc, tu peux le changer, ça, Nat. Attends. Je vais te dire. Parce qu'on en avait parlé avec les viewers. Ah ouais ? C'est ça, il y a un truc comme ça qui te facilite justement pour... Tu peux mettre une touche, tu peux mettre une touche qui fait que déplacer. Mais il n'y avait pas un truc... C'est, non, c'est ça, oui, c'est la touche dissocier attaque. Et bonjour à tous, j'y ai un nouveau badge à... Après, peut-être que Nat, elle appréciera plus. Et c'est dans quoi ça... Elle peut essayer, écoute. Forcer le déplacement plutôt, c'est dans quoi ? Dans commande, dissocier... Ah, et combiner, se déplacer, interagir en placement de compétences de base, c'est ça ? Ouais. Le but, c'est de faire une touche qui te fait déplacer. Ouais, mais là, on va la perdre. D'accord, ok. Ah, effectivement, on y va. On peut faire de la fin. Et écoute, salut Milan ! Merci Milan pour le 30e mois d'abonnement, j'ai un nouveau badge. Peut-être, je sais plus, 30 mois. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bientôt. J'ai vu Twitch qui me disait c'est bientôt l'anniversaire stream. C'est vrai que ça va faire officiellement 6 ans que je suis partenaire cette année. Par deux semaines. Au final, t'es bien au clavier souris. C'est vrai qu'à la manette, t'aurais peut-être pas ce problème. Quoique. Alors pour le coup, Jimérus, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles c'est le dernier sub-bâton de la chaîne, il ne reviendra plus jamais. Parce que bah, je vieillis. Même si je suis encore capable de jouer très, énormément, plusieurs heures par jour sans problème, c'est vrai que les gros sub-bâtons et tout comme ça, ça pique quoi.
Alors pour le coup la manette c'est très quali, c'est juste que là en fait c'est compliqué, faut éviter en fait streamer, brancher un truc sur ton PC alors que t'as OBS de lancer, puis faire cracher OBS. Ce que j'ai appris, ça m'est déjà arrivé. Donc il faudra mieux qu'il attende demain. Pardon ? Oh surtout les PC, ça m'est arrivé depuis que je stream. Hein. Les logiciels d'encodage n'aiment pas du tout qu'on branche de l'USB dessus. Hein. Ils sont pas, ils sont en mode non, 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 ça ira, non je veux pas. Donc c'est vrai qu'un crash quand t'es streamer c'est un peu relou, tu perds l'audience et tout, c'est un peu casse-couille. Un petit peu casse-couille. Hop, tac, tac, ok. Ok. Ah, je crache même sans OBS maintenant, je crois que j'en suis de port USB. Ah ça c'est encore une autre problématique. Possible, c'est vrai que c'est encore une autre problématique. Là t'oublie pas quand t'es à un moment de calme, on part. Ok. Non, y'a pas de rip-up dans le jeu. Oui au pire effectivement tu pourrais faire le portail. Et voilà, je vous laisse avec ça. Stream de Nat se plaît, Socure. Ah mais putain. A tout de suite, le chat. Je vais aller faire des cocktails dans la cuisine et vous allez... Alors, vous m'entendrez pas, mais vous pourrez voir ce que je fais. Non, mais c'est pas grave. Vous pourrez voir ce que je fais au moins. A tout de suite. Et donc, je disais, re tout le monde. Je sais que je vous enlève Nat. C'est... Vous allez devoir vous retaper ma gueule, c'est moins plaisant à regarder. Mais voilà. Ok, on a perdu Nat. C'est parce que moi je suis le retour. Oui, je sais, hein, désolé, Sylar. Hein, c'est. Hop. Hop. Socure, alors ça, c'est un vieux message. Ok. N'hésitez pas effectivement à aller voir Nat, donc qui est en train de préparer l'apéro. Alors, ok, Olusilul, c'est une bonne question que tu poses. Et je veux préciser ce que j'essaye. Je sais que c'est peut-être pas forcément toujours flagrant, mais en tout cas, j'essaie de tout cœur de le faire, avec plus ou moins de réussite. T'es là ou pas, Lusilu, que je parle pas dans le vent, même pour les autres, après. Et coucou, Cam7. Est-ce que j'ai raté Oui, quand t'es arrivé, t'as tapé. Ouais. Ouais, la première semaine, voleur direct, bim. Et franchement, elles sont belles, les deux épées. Hein. C'est ça, ouais. J'ai dit dans ma tête c'était dague et épée effectivement, mais alors pour le coup forcément je préfère l'épée, mais même la enfin elles sont jolies quand même quoi qu'il arrive. Oui voilà. En gros soyons très clairs. Mon but Lusilul, tu me connais maintenant quand même depuis plusieurs années sur cette chaîne et pareil pour ceux qui me connaissent, j'essaye d'être objectif. L'objectivité c'est subjectif, c'est ça qui est assez fabuleux. C'est une bonne phrase ça. L'objectivité c'est subjectif. On peut pas prouver, c'est compliqué à prouver l'objectivité. Il y a forcément logiquement une notion de subjectivité dans l'objectivité. Ça dépend de quel type d'objectivité tu parles. Ah, il y a toujours. Alors peut-être, mais là, généralement, quand on va parler d'une boîte, d'un jeu ou autre, il y a toujours une notion personnelle. Là, tu peux pas vraiment parler d'objectivité. J'essaye. On essaye de l'être. Le truc, c'est d'être le plus objectif possible. Mais t'as forcément des. C'est de ça dont je parle. Donc l'objectivité étant subjective, moi, mon but, en tant que. Là, en tant qu'humain, mais aussi en tant que. Que créateur de contenu, c'est important, même si j'ai pas une grosse audience, je trouve que c'est important de faire attention à ce qu'on raconte, qu'on a de l'audience, peu importe l'audience, hein, qu'on ait 10 viewers, 100 viewers, 1000 viewers, 10 000 viewers, je m'en fous. C'est important de faire attention, c'est justement d'essayer de rester le plus objectif possible en toutes circonstances. Je n'aime plus Blizzard depuis des années, je l'ai jamais caché, je trouve que quasiment tous leurs jeux aujourd'hui sont à des années-lumière de ce que Blizzard peut proposer. Je maintiens, j'ai beau aujourd'hui être en... Ah! Bingo! Le premier leg! Bon bah, désolé Lusilul, l'explication viendra après. Vas-y, montre-nous ça. Je n'ai pas goûté encore, j'attends. Vas-y, Buffalo, sache que tu es en plein écran là. On va voir ça. Bon réflexe au cure. Alors, ce sont des boots. Vas-y. Alors, c'est des boots pour qui? C'est pour toi, j'espère au moins. Logiquement, c'est forcément pour toi, je crois, les legs. Ah, j'ai plus de place. Ah, c'est vrai! Il n'a pas plus de place! Ah, génial! Mais c'est quoi toutes ces merdes dans ton stuff? C'est quoi ça? Alors, des bottes. Ah, c'est une bonne botte. When you are 45, you earth skill. Ah, c'est stylé, hein. Mais c'est jamais. J'utilise aucun earth skill, mais c'est pas mal. Mais ça te donne envie de les mettre. Ça... Ouais, le problème, c'est qu'il faut que je clique sur respect. Et j'ai pas.
Je comprends. Buffalo, effectivement, parce qu'il a envie de mettre ça, mais il faudrait qu'il fasse une rospée. Écoute, ça reste quand même des belles bottes. Eh ben, GG Buffalo. GG Buffalo. Hop, je change. Je reviens le chat. On va mettre à jour. Merde, je me fais attaquer, putain. Attendez. Donc, ça ripop les mobs. Hein. Ça ripop. Dans les deux secondes, je me fais taper. Je vais aller dans la ville. Hop là. Voilà. Personne d'objectif, fusil-le. Justement, le premier truc important à comprendre, c'est pas très philosophique, mais c'est que toute objectivité est subjective. Deux petits secondes de chat, je vous mets le bingo tout de suite. Ah là ! Ça, c'est pour toi, le docteur. Hop ! Il y a que le roi. Alors, Buffalo, il a que le roi. Nat-Nat, tu veux mettre quelle couleur à Buffalo ? Allez, vert pour Buffalo. Donc, voilà le bingo. Hop ! Alors, donc Buffalo, le premier légendaire, il est où ? Il est là. C'est un B. Ok, donc, on racontait quoi, Lusilule, oui, voilà. Donc déjà, dire que t'es objectif, c'est faux. Mais moi aussi, enfin, tout le monde, tu vois, c'est humain, là-dessus, Lusilule. Dans le sens où on a tous une limite, on va dire, dans l'objectivité. Bon, ce qui est plus, entre guillemets, plus facile, mais surtout plus important, après, ça, c'est mon point de vue, c'est que, donc, je n'aime pas Blizzard. Car je n'aime plus Blizzard, mais je suis quand même ouvert à comment ils vont évoluer, comment ils ont déjà évolué. Parce qu'il y a déjà, rien qu'avec ce Diablo 4, notamment leur relation vis-à-vis des créateurs de contenu, a énormément évolué. Et donc, à fortiori sur les boîtes que j'aime pas, je veux être capable de on va dire, juger leur contenu, juger ce qu'ils font le plus objectivement possible, dont je suis capable. Et oui, Diablo 4 est excellent, pour plein de bonnes raisons. Les trucs qui sont critiqués, est-ce qu'ils sont critiquables? Je sais pas, en tout cas, les trucs qui sont critiqués vis-à-vis du modèle économique ou autre, je pense que les gens chipotent. Ça reste Blizzard qui est derrière, ils vont pas devenir tout mignons, tout gentils d'un coup. Bon. Résultat, vous êtes déjà, t'as le droit de bien dire ce que tu veux. Ça n'empêche pas la réalité, par exemple. Ok, on prend un exemple Pookie. Pookie adore encore World of Warcraft. Pourtant, aujourd'hui, World of Warcraft est un des RPG les plus pay to win qui existe. Voilà. Tu peux tout faire, en fait, avec une carte bleue sur WoW, en achetant les PO, t'as tout, il y a les skins, il y a le boost, il y a l'achat de stuff, achat de compo, tout, tu peux tout faire, tu vois, dans WoW. Bref, est-ce que c'est l'air que c'est un bon ou mauvais jeu? J'ai pas mon avis à donner. Par contre, Pookie a le droit d'aimer de jouer à son jeu. Bon, tu prends par exemple HOTS, paix à son cœur, ce qu'ils lui ont fait, ça reste quand même what the fuck, alors que ils ont quand même le jeu à un certain succès. Ils ont même réussi à rendre Hearthstone Battlegrounds pay to win. Enfin, c'est quand même fou, ça. Battleground, c'est un auto chess, c'est le seul chess pay to win. Donc, je veux quand même rester ouvertement critique envers Blizzard parce qu'ils méritent pas qu'on soit en fait tout mignon avec eux, parce qu'ils sont, ils brossent pas du tout les consommateurs dans le sens du poil. Mais rappelons-nous hein, de Diablo Immoral. Mais là, concernant ce Diablo 4, on a un jeu qui a certes été vendu 70 balles, mais qui est propre, qui a un contenu de ouf, bien opti, très peu de bugs, voire quasiment pas de bugs. On est sur un excellent jeu, un excellent Diablo, aussi bien adapté au hardcore comme au néophyte. Bah ouais. Et tu vois, c'est, même si effectivement je ne porte clairement pas Blizzard dans mon cœur, je t'écoute, hein, carré, je n'hésite pas. Là pour le coup, c'est du très bon quoi. Vous rachetez par un concurrent, mais qu'est-ce que tu me racontes? Si là, avec Léon Di, faut arrêter. Et merci, tiens, Wolfie, je parlais de toi il n'y a pas longtemps. Tiens. Non mais voilà, alors pour le coup les aigris, alors Skyler, tout ce que je sais c'est qu'il aime bien avoir des chemises ouvertes, mais le premier PTDR quoi sur Diablo XR quoi, lui il faut juste qu'il prenne sa retraite et qu'il arrête de jeux vidéo.
Et merci Wolfius pour le 57e mois d'abonnement niveau 3. Bonjour à toi, un plaisir de te retrouver. Je parlais de toi récemment, justement, tu sais, dans les gens, on était très présents et tout, je vois plus trop. Il y a sûrement d'autres choses à foutre, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout en mode reproche, c'est en mode. On parlait un peu voilà, des anciens de la chaîne il y a encore quelques temps de ça. J'étais retombé en fait sur les photos de la toute première IAL que j'ai faite. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Kirei. C'est un très bon reproche. Fatal Coolpo, ça fait le même et je le rejoins aussi là-dessus. Effectivement, ce côté en fait obligé de faire la campagne pour passer en montée 3, résultat, ça devient trivial après niveau 50 et effectivement dommage. Je te rejoins complètement dessus. C'est peut-être un des meilleurs lancements de AAA. C'est vrai que Pierre, là-dessus, je rejoins. En termes de lancement, c'est incroyable. Pour un blockbuster qui a eu des millions, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un clean. Hein. Ça fait très très longtemps. Non, dans les gros lance-packs de Hack and Slash en général. Ah, oui. Tous les jeux online des dernières années, ça a été généralement. Même FF14 a été dégueulasse au lancement en termes de queue de serveur, quoi. Donc, bravo. Non, mais je vous dis bravo à Blizzard hein, là-dessus. Ils ont été bons vis-à-vis de leurs consommateurs, ils ont été bons vis-à-vis des créateurs de contenu, ils ont été bons vis-à-vis de la presse. On a eu accès au jeu vachement avant, ils ont donné plein de reviews et tout. Aux testeurs, enfin c'est... Ouais, c'est propre, hein. Tu dis ça, Kat? Non, t'as pas compris, Toad, je pense. T'as pas compris ce que dit Kirei. En gros, on ne critique pas la campagne. T'as pas compris, Toad. Ce qu'on critique, en fait, c'est le fait que pour des gens, toi, comme Kirei, qui aiment bien, en fait, traîner en monde ouvert, en mode full vidage de monde ouvert, tu vois, complétionniste. Eh bien, en fait, quand t'arrives 50, tu peux pas passer T3, donc le jeu devient trivial en termes de difficulté, tu ne pexes plus, t'es un peu bloqué, parce qu'il faut finir la campagne pour débloquer le T3. C'est ça qu'on dit. Et effectivement, je trouve que c'est un reproche tout à fait pertinent à faire. C'est pas dramatique, mais faut pas non plus dire que le jeu est exempt de reproche, tu vois. Et salut, Maka. J'ai quoi dans la tête? Attendez. J'ai un truc dans les cheveux. Je sais pas ce que c'est. Même en T3, ça pexe plus beaucoup. Non mais, bon laisse tomber, tu comprends pas toi. laisse tomber. Je sens que tu, ça veut pas, c'est pas grave. C'est pas le... Je crois que tu réalises pas en fait. T'es vraiment kiblo. En fait, en gros, t'es obligé de finir la campagne. Par exemple, pour les gens qui ont envie de finir 100% des régions en tout en continuant Apex avant de passer en T3, tu peux pas. Non mais, alors qu'on dit c'est normal, pas normal, peu importe, je comprends le reproche. Par contre, faites pas chier, c'est un reproche légitime. S'il y a plusieurs personnes qui le ressentent, qui l'argumentent et tout... Il y a peut-être une raison, quoi. C'est vrai que là... Bravo, Pierre. Gardez ça. Je ne veux pas votre argent, mais votre attention. Je le sens. Une grande calamité plane sur les contrées du Nord. Voilà, comme le dit Nodrian, c'est Sibelia. Il est arrivé pendant 5 ans, pendant l'acte 1, parce qu'il a vraiment dû vouloir tout clean, et c'est vrai que ça peut être frustrant. Si on l'a scellé, c'est pour une bonne raison. Et maintenant, ces bêtes à tête de porc essaient de la force. Écoutez-moi et arrêtez-les. Bah donc, on dit donc que t'es d'accord avec nous, Colo ? Je comprends pas, alors. Ah, t'es trop content ce que tu as rangé, pas de noisette. Ah, c'est sa passion, ça que tu sais pas, toi, Pierre. C'est la passion de Lucas, les pas de noisette. Oui, non, mais ils ont fait un très bon boulot avec ce jeu, y a pas de... Je vous dis, à part 2-3 aigris à droite ou à gauche, hein, globalement tout le monde est super ravi du jeu. Hein. Ah ouais, quand même, Nivelle, après vous êtes dans le Nuclean Vénère. Quoi, c'est une Nazra. Tac. Ah, attendez. Non, mais la boutique. C'est quoi? Pourquoi j'ai une notification dans la boutique? C'est un trieur grandement. Je vous aime. Venez admirer les richesses de l'histoire. Ah, il faut que je clique dessus pour que les notifs disparaissent. C'est 5 euros pour enlever la notification. Vous êtes sérieux ou pas? Non, elles sont plus. Okay. Juste, mais pas pour les séries. Ah, tu rigoles, mais j'ai tout cliqué, mais j'ai... Cookie niveau 20. Oh là là. Ah, allez, il manquait celle-là. Ah non, si... C'est bon. J'ai plus de notifs dans la boutique. Victoire. L'archer? Pour l'archer, aucune chance qu'il joue à avoir Pookie. Je le connais, c'est 100% genre le classe qu'il déteste. Pookie ne peut pas jouer à barbare, il a pas la fibre. Mais de toute façon, on voit l'icône de l'archer à côté de lui. Alors, allez.
Alors je pense que s'il y a bien une dernière personne qui achètera le skin, c'est toi Lucas pour le coup. Je sais que t'es pas du tout dans ce... Faudrait vraiment genre une dague de ouf ou un set complet de ouf, c'est ça ? Il semble fasciner le clergé ces derniers temps. Rien d'étonnant. Ah, ça pique. Hein. Ah, il y en a un qui est vraiment... Tu trouves incroyable là pour voleur ? Non, il aurait beau être incroyable. Oui, ah, il aurait beau, yes, ok. Ça pique. Ah, il est pas joueur, Azelos. Change l'exploit, fais l'exploit, hein. Ouais, mais je comprends, tu as... Donc c'est, ça, c'est un reproche, toi, qui revient assez régulièrement, que je comprends, et que je pense que je vais être dans la même situation. Mais voilà, bon. En gros, que... Quand nous, par exemple, admettons quand t'as envie de faire, pas 100% complétionniste, mais vraiment de papillonner, ok? Tu vas vite passer niveau 50. Genre l'acte 2, voire l'acte 3. Sauf que, une fois 50, en fait, tu vas donc trivialiser les mobs, et tu peux pas passer, en fait, en difficulté 3, parce qu'il faut avoir fini la campagne pour ça. C'est ça, le problème. C'est ça. Qui est très bien, visiblement, hein, ça n'est pas de soucis. Mais en gros, ce que les gens reprochent, et je les rejoindrai là-dedans, c'est que tu as une limite de papillonnage. À un moment, ils vont te forcer en fait à finir la campagne. Et après, tu peux revenir papillonner, pas de soucis. Hein. Mais il faut finir la campagne. Bah, c'est ça. Pareil, je vais le faire. Je vais faire tous les quelques quêtes que j'ai sur le chemin. Mais je vais pas non plus trop. Je le ferai pour après, quoi, le papillonnage. Pas trop fort, quoi. Un semi-papillonnage. Ouais, je comprends le... Au moins, après, si vous rushez, j'espère au moins que vous suivez l'histoire. Ouais, vous faites bien ce que vous voulez, mais... Honnêtement, c'est toujours un petit pincement au cœur. Et donc, Pierre a eu le premier légendaire. Bravo. Ah, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. C'est ça, Maca. Globalement, c'est l'idée. Premier run, concentrez-vous. C'est au bon vouloir d'Azelos, le consentement c'est important. Après il peut goûter, pour la science. Ça attendra. Oh les patates, tu connais un peu le goût, ça va.